L'immense décharge de Fresh Kills, fermée depuis 2001, est en cours de réhabilitation. Elle deviendra donc, une fois achevé ce chantier de transformation, un parc récréatif, naturel, ouvert aux habitants de Staten Island et à tous les New-Yorkais. Le Central Park du 21e siècle. Sur le site de l'Alliance, association chargée de la promotion du futur parc, on peut déjà voir les images de ce que deviendra le projet. Une pure nature. Des prairies qu'un vent léger fait ondoyer. Des images de synthèse, au bleu et au vert saturé, sur lesquelles on n'a pas oublié les petites silhouettes en habits légers, joggeurs en plein effort, promeneurs au sourire éclatant, chiens et enfants. Le slogan de l'Alliance annonce la bonne nouvelle. Recycle the land, reveal the future. Recycler la terre. Révéler l'avenir. Que devient la terre lorsqu'elle est recyclée? Elle redevient elle-même. Dans un reportage consacré à la transformation miraculeuse, l'anthropologue chargé de superviser la réhabilitation explique que New York a été bâti comme toutes les grandes villes sur des déchets, qu'il suffit de creuser un peu pour trouver ses reliques, qu'il en va de même pour Central Park. Simplement, aujourd'hui, on considère qu'il s'agit d'archéologie urbaine, rien de plus. J'apprends aussi qu'à Paris, tout parc présentant quelques reliefs a été même brièvement une décharge. Les carrières des buttes Chaumont, le parc Montsouris et même le petit labyrinthe du jardin des plantes. La pratique est ancienne, même si elle a de quoi surprendre. Et pourtant,
je ne puis m'empêcher de considérer le futur parc de Staten Island comme une incarnation du simulacre. Le lieu artificiel par excellence. Non seulement parce qu'il est constitué des restes de plus de 60 ans de consommation effrénée, mais surtout parce qu'il veut se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Un parc naturel, comme si la bonne volonté associée à l'intelligence des ingénieurs et des concepteurs pouvait effacer des années de mépris. Mépris de ce territoire naturel, marche saline, marée impropre à tout usage commercial, mais abritant une faune et une flore variées. Mépris pour les habitants de Staten Island, ceux de l'île, les bouseux, à qui on relègue la décharge, la puanteur. Tout ce dont on ne veut pas. La question du devenir de nos ordures ménagères est légère, dans le sens où aucune vie n'est en jeu, aucune mort. Mais elle est symptomatique de l'aveuglement volontaire dans lequel nous vivons. Si le désastre écologique, associé à notre consommation effrénée, est préoccupant, s'il semble désormais évident qu'aucun geste ne sauvera la planète, sinon un geste révolutionnaire et un changement radical de nos modes de production. Ce qui me frappe surtout, c'est l'enclave mentale que nous nous construisons, l'illusion d'une ville propre, d'où disparaissent comme par magie tous les déchets, toutes les salissures. J'ai l'idée, qui ne peut être un idéal, d'une perception pleine, exhaustive, de l'environnement urbain. Notre vision du lieu que nous habitons, où nous vivons, ne connaîtrait de limites ni dans l'espace, ni dans le temps. L'arrondissement voisin serait encore chez nous. Nous pourrions sentir dans les rues, dans le sol, la présence de ceux qui nous ont précédés. Nous saurions qui transporte nos ordures, où et comment elles finissent, ce qui se passe de l'autre côté de la ligne invisible, là où elles sont traitées. Personne n'a accès à une telle perception saturée, extrême, et personne sans doute ne la supporterait. Seule, parfois, la littérature lève le voile. Les lieux que nous ne voulons pas voir, les séparations mentales que nous construisons entre ici et là-bas, qui peut être juste à côté de nous, sont pléthores. Si le confort que l'on y gagne est évident, comment mesurer ce que l'on y perd ? Ce qui de nous se dessèche et s'atrophie et nous laisse le regard émoussé, perdu dans un semblant de réel qui ne peut pas suffire. Tandis qu'à Staten Island, le chantier du grand parc récréatif naturel avance. Les tonnes de déchets produits chaque jour à New York sont désormais exportées en Caroline du Sud. Thank you.
l'enfance, la toute petite, comme âge encore sans loi où n'existe entre les objets, les matières, les choses, aucune hiérarchie. La feuille, la plume sont ramassées par terre, glissées dans la poche, portées à la bouche. Rien n'est encore sale. Rien n'est propre non plus. Et je revois l'enfant avec ses petits cubes de bois colorés, me donnant l'un puis l'autre, tendant très vite sa main ouverte pour que je les lui rende, et modifiant quelques jours plus tard le jeu à l'improviste, alignant côte à côte tous les cubes au fur et à mesure que je les lui redonne, créant un ordre qui n'existe que pour lui et qu'il s'amusera, dès la ligne achevée, à détruire. Au commencement était l'idylle. Sur la rive nord-ouest de l'île s'étendent des territoires vierges que les premiers habitants du lieu, indiens de la tribu Lenape, parcourent à pied, en canoë. Marais salins à la flore singulière, opulente. Il ne reste de cette période que les quelques artefacts exposés au sous-sol du musée historique de Staten Island, fossiles, objets dont plus aucun n'est authentique, et ce film, diffusé en boucle. J'en garde un souvenir flou, musique supposée, autochtone et reconstitution de ces scènes d'une vie qui brutalement s'achève. Les premiers colons ont traversé la mer, conquis le territoire des Lenape. Hollandais, ils renomment dans leur langue ce paysage qui désormais leur appartient. Émaille tous les environs veinés de cours d'eau d'un même mot, kills, source, qui, en anglais, évoque le massacre. Arthur kills, la source d'Arthur. Fresh kills, la source fraîche. Great kills, la grande source. Ou tuerie. Parmi les joncs résonne encore, au début du siècle passé, le cri distinctif de l'aigrette bleue. On entend le froissement des herbes hautes au passage des castors et autres petits mammifères. Un silence de chant, de clapotis, de craquement. Ici, vivre est possible. La nature s'offre à la main de l'homme, à la cueillette, à la chasse, à la pêche. En ce lieu qui aujourd'hui n'existe plus, on raconte que de vieilles femmes venaient chercher des herbes médicinales. Des Italiens par grappe passaient leur dimanche à l'affût de champignons que seuls savaient dénicher. Et des Juifs en habit noir choisissaient entre toutes les quelques baguettes de saule, les plus belles, les plus souples, qui serviraient au rituel de leur fête des cabanes. «
un autre destin attend cette terre, impropre à la culture et sur laquelle on ne peut rien bâtir. Si certaines rives de Staten Island restent préservées, Fresh Kills perdra sa pureté, sa fraîcheur, pour devenir le nom d'une honte. Parmi les entretiens menés avec celles et ceux dont le destin fut lié à Fresh Kills, je retiens le témoignage de H.B., petite fille dans les années 1940, dont la maisonnette, comme au milieu de nulle part, s'élevait dans ce paysage encore intact, ample, verdoyant, généreux. Elle parle de la liberté des enfants de l'époque. Elle se rappelle son oncle qui partait le dimanche chasser le rat musqué. Et la télévision en noir et blanc qu'on transformait en télévision couleur en la recouvrant de plastique transparent bleu, vert, orange. Elle décrit une zone quasi rurale, sans trottoir au bord de la grande route. Les enfants parcourant seuls plusieurs milles à bord des bus municipaux pour aller à l'école. À l'époque, nul ne s'en inquiétait. Il y avait cette insouciance et cette liberté. On allait chez les uns, chez les autres. Et les enfants qu'on imagine à mi-chemin s'attardaient en route dans ce monde à leur mesure, qu'ils pouvaient arpenter à loisir sans être soumis à aucune surveillance. Sa voix douce et posée exhale la nostalgie de cette vie disparue. Elle raconte que la maison lui semblait bien grande, mais qu'elle ne l'était pas. Et que ce ne fut pas un déchirement de devoir la quitter lorsque la ville reprit le terrain. La maison, on peine à l'imaginer, ne fut pas détruite, mais sur des rondins de bois simplement déplacés. Et après ? L'odeur pestilentielle, la destruction de la flore, de la faune, l'asphyxie. Les enfants ont grandi et ceux qui viennent après eux n'auront pas la même vie, ne connaîtront jamais cela. La nature comme terrain de jeu, devant et derrière la maison, zone franche, ouverte, sans danger. C'est la fin de l'idylle. L'installation d'une décharge à Fresh Kills n'est pas seulement nuisance ou malheur écologique. C'est un monde qu'elle détruit. Héros d'une nouvelle ère où l'enfance gâtée, cloîtrée, est assignée à un périmètre de sûreté, dépossédée de son royaume.
il faudrait abandonner toute crispation, se laisser porter sur la pente, sinon facile, du moins naturelle, de l'autopromotion et de la réussite. Je pense à la bravoure et à l'abnégation, à ces corps fermes, sans aspérité, ces corps que l'on acquiert au prix de grands efforts, à cette peau sans accroc qui ne connaît aucun outrage. Je pense aux cheveux brillants, ondulés quand ils sont trop raides et lissés quand ils sont crépus. Je pense aux magnifieurs de boucles, aux peaux visiblement plus jeunes et comme régénérées de l'intérieur, aux rouges repulpants et aux vernis qui subliment nos ongles. Je ne pense ni au visage, ni au sourire, mais à ces problèmes qu'il faut résoudre. Les ongles, les cheveux, la peau. Comme s'il n'y avait personne dedans, personne derrière. Mais on ne sait pas quand commence la déchéance. Seulement, elle commence avant qu'on soit bon à jeter. Même dans un monde, le nôtre, où tout ce qui manifeste le moindre défaut, la première marque d'obsolescence, est aussitôt soustrait à notre vue, remplacé par du neuf, il y a toujours des gens pour nous rappeler que nous portons en nous, dès la naissance, le germe du déchet que nous devenons peu à peu. Et ce n'est pas grave, en réalité, mais simplement cruel, et parfois même beau. J'ignore ce qu'il en est dans les autres langues que la mienne, mais le dictionnaire étymologique m'apprend qu'en latin, la langue mère, mundus, monde, et mundus, propre, sont un seul et même mot. Seul ce qui est propre et ordonné fait monde. C'est implacable. Et la seule issue ? Échapper au langage ou parler autrement. En 1896, George E. Waring Jr., colonel durant la guerre civile, devient commissaire au nettoyage des rues de New York. Ardent défenseur de l'idée selon laquelle la vente des déchets pourrait être source de profit, il dirige les équipes sanitaires de la ville comme jadis ses bataillons de soldats. Les éboueurs, organisés en brigades blanches, right wings, parade, immaculée. C'est la fin du 20e siècle, du 19e siècle, qui voit en France le triomphe de l'hygiénisme et en Grande-Bretagne, puis aux États-Unis, la naissance des premières décharges sanitaires. Robert Moses, grand planificateur et maître de New York,
dont les vues ont tout autant marqué le visage actuel de la ville que celles d'Haussmann ont transformé Paris, s'intéresse lui aussi à la question des déchets qui empoisonne littéralement la gestion de la ville. Il prône et met en œuvre l'assèchement des zones marécageuses par le dépôt en ces mêmes zones d'ordures. En 1948, alors que plusieurs terrains de Staten Island et des autres boroughs de New York ont déjà connu cette transformation, l'État décide, malgré l'opposition forte des citoyens et des environnementalistes, que Fresh Kills sera, pour 3 ans, décharge. Le temps de l'assécher et d'y construire un beau parc. Et dans quelques années, ce territoire impropre à tout sera enfin utilisable. Trois ans passent, durant lesquels les habitants endurent. La flore délicate et variée n'est plus. C'est le règne des phragmites, plantes envahissantes, agressives et résistantes. Les infinies modulations des chants d'oiseaux cèdent aux cris des mouettes qui trouvent dans la décharge leur festin de chaque jour et tournoient inlassablement au-dessus de cette zone désolée. Aucune fin heureuse ne se profile. 3 ans passent, mais aucune solution de rechange sérieuse n'existe au stockage des déchets produits quotidiennement à New York. Et année après année, la décharge continue de ne pas fermer. Ainsi, elle accueille, traite, agence les ordures et monstrueusement grandit. Les journaux ne reculent devant aucun excès verbal, aucune comparaison pour décrire ce que Fresh Kills devient, ces 4 monts, cet empilage sans fin, jusqu'au ciel. Pyramide de déchets, alpe de poubelles. Pour ma part, j'ai Babel en tête, son arrogance dangereuse, sa folie et son brouhaha de langues innombrables, car ce qui s'entasse là, jour après jour, n'a pas de nom ou souffre d'en avoir trop. Déchets, rebuts, détritus, immondices, ordures, cela prolifère, se multiplie, dégénère. De fait, la production d'ordures est en expansion constante. Les incinérateurs se heurtent à la méfiance populaire. Les unes après les autres, les décharges new-yorkaises arrivent à épuisement de leur capacité. En 1987, ne reste que Fresh Kills, qui, à son pic de production, traite 29 000 tonnes d'ordures par jour. La puanteur est si forte que dans le parking du centre commercial, juste en face de la décharge, les gens sortent en courant de leur voiture pour aller faire les courses. Combien de temps cela durera-t-il encore ? Combien de temps faudra-t-il supporter les nuisances, le mépris ? C'est sous le mandat du maire Giuliani que tombera finalement, en 1996, la décision tant attendue. La décharge, The Dump, sera fermée. Une décharge qui ferme. Cesse-t-elle vraiment d'être une décharge ?
une fois scellée, recouverte d'une herbe qui bientôt reverdira chaque printemps, devient-elle un parc ? C'est en tout cas le nom qu'elle est destinée à porter, Fresh-Kills Park. Pourtant, H.B., qui garde le souvenir de son enfance champêtre, reste sur la réserve. Je ne sais pas s'ils vont faire ce qu'ils disent qu'ils vont faire, et pour les générations à venir qui n'ont pas connu la décharge, c'est sans doute une bonne chose. Mais pour moi, ce sera toujours la décharge. De nouveau cette nausée qui me saisit en chemin vers le métro. Ce vertige vague qui ne m'empêche pas d'avancer mais ralentit ma démarche. Le cœur au bord des lèvres et qui ne sort jamais. Au cours de la matinée, le malaise se dissipera, se fera oublier, me permettant d'accomplir avec efficacité les différentes tâches qui s'imposent à moi. D'ici là, serrez les dents. C'est le soir seulement que cela me revient. Non, le malaise lui-même, mais le souvenir de la nausée, ce haut le cœur, ce tremblement imperceptible du réel, comme il tangue, comme tout tangue autour de moi. Ce remous détestable, la cause n'en est ni un parfum trop intense, ni une odeur nauséabonde. La rue est propre, fraîche. Les éboueurs viennent de passer à cette heure. Les trottoirs sont parfois encore humides et nets. Rien qui soit susceptible de m'indisposer. Ce qui me tourne le cœur,
C'est l'odeur des cadavres qui gisent sous mes pas, dans les profondeurs du sol. Je ne l'explique pas, les eaux crissent, je les entends et ne le supporte pas. Une personne saine d'esprit s'arrêterait sur le coup de marché, se mettrait à genoux, commencerait à creuser, à vider sous l'asphalte la terre de chacun de ses os enfouis, à déterrer les objets issus d'âges anciens. La rue entière est un seul et unique chantier d'archéologie. La rue, que dis-je ? La ville, toutes les villes, sans parler des campagnes, des lointaines plaines vallonnées, des anciens champs de bataille. Cependant, le malaise ne prend jamais le dessus. Ce qui me submerge à la nuit tombée est terrible et n'a pas de nom. C'est une ombre sans fin dont rien ne saurait me décharger. Freshkills n'est pas une métaphore, c'est un épicentre. La grande négativité, le grand vide qui nous submerge, la vacuité, la vanité sans fin de nos existences protégées viennent de Freshkills et se propagent comme une onde invisible à l'infini, sur le territoire lisse et polissé de la ville normalisée. Tout s'organise soudain et tout fait sens, comme une ligne, comme un fil rouge qui vient ceindre notre cou et serre. L'enfance quadrillée, surprotégée, domestiquée. L'exploitation d'une zone naturelle hybride, instable, impropre à tout. La destruction de toute vie sauvage, du braconnage et des flâneries sans but. La négation de l'ordure comme fragment organique, dynamique et en perpétuelle métamorphose. L'avènement d'un espace de loisirs conforme en attendant le retour des promoteurs et la recréation simulée d'un paysage à l'identique mais sans errance, sans déviance, sans liberté. Cela fait sens et même système. Pourtant, qui sait ? Qui sait quels hôtes le parc finira par accueillir ? Il y a peut-être cette ressource, cet espoir infime,
l'imagination, la fantaisie inattendue de quelques-uns que n'intéresse ni l'observation des oiseaux sauvages, ni les promenades en kayak le dimanche en famille, ni les pique-niques entre amis. Qui n'aime pas les pique-niques entre amis ? Avec cette vue imprenable sur Manhattan, qui voudrait manquer ça quand le jour doucement décline, que le chant des oiseaux se fait un peu plus persistant et qu'on ressent loin de tout ce soulagement, cette détente, la juste dose de repos et de plaisir qui nous donnera la force de supporter le reste. Quelques-uns qui ne respectent rien, quelques-uns des malpropres viennent à la nuit tombée, franchissent les clôtures, disparaissent dans les herbes folles, et peu à peu, c'est une lutte occulte, inverse la tendance, s'arrache à l'apathie, sauve le lieu de son enfer aseptisé. Ils se souviennent. Quelques-uns à la nuit venue, quelques cris et quelques joies violentes ou calmes. S'allonger sur cette terre sans un bruit. S'allonger avec lenteur et rester là. Le ciel étoilé au-dessus. Un infini d'ordures en dessous. Comme encore elle bruisse et grouille, comme encore le sol imperceptiblement remue, comme encore cela vit. Dans la montagne monstrueuse. Au commencement était l'idylle. Sur la rive nord-ouest de l'île s'étendent des territoires vierges que les premiers habitants du lieu, indiens de la tribu Lenape, parcourent à pied, en canoë, marais salins à la flore singulière, opulente. Il ne reste de cette période que les quelques artefacts exposés au sous-sol du musée historique de Staten Island, fossiles, objets dont plus aucun n'est authentique, et ce film diffusé en boucle. J'en garde un souvenir flou, musique supposée autochtone et reconstitution de ces scènes d'une vie qui brutalement s'achève. Les premiers colons ont traversé la mer, conquis le territoire des Lenape. Hollandais, ils renomment dans leur langue ce paysage qui désormais leur appartient. Émaille tous les environs, veinés de cours d'eau, d'un même mot, kills, source, qui, en anglais, évoque le massacre. Arthur kills, la source d'Arthur, fresh kills, source fraîche, great kills, la grande source ou tuerie. Parmi les joncs résonne le cri distinctif de l'aigrette bleue. On entend le froissement des herbes hautes au passage des castors et autres petits mammifères. Un silence de chant, de clapotis, de craquements. Ici, vivre est encore possible. La nature s'offre à la main de l'homme, à la cueillette, à la chasse, à la pêche. En ce lieu qui, aujourd'hui, n'existe plus, on raconte qu'au début du siècle passé,
de vieilles femmes venaient chercher des herbes médicinales. Des Italiens, par grappes, passaient leurs dimanches à l'affût de champignons que seuls savaient dénicher. Et des Juifs en habits noirs choisissaient entre toutes les quelques baguettes de saule, les plus belles, les plus souples, qui serviraient au rituel de leur fête des cabanes. Pourtant, un autre destin attend cette terre, impropre à la culture et sur laquelle on ne peut rien bâtir. Si certaines rives de Staten Island restent préservées, Fresh Kills perdra sa pureté, sa fraîcheur, pour devenir le nom d'une honte. Merci beaucoup, Lucie Taïeb. Cet extrait, c'est un extrait de votre dernier ouvrage, Fresh Kills, paru aux éditions La Contre-Allée dans la collection Un singulier pluriel. C'est en réalité une réédition puisque il a paru une première fois en 2019 au Canada, aux éditions Varia, c'est bien ça ? C'est bien ça. Il est réédité avec une postface, quelques pages après, mais on en parlera plus tard de ce que vous dites après, puisqu'il est question d'une autre réflexion due au confinement qu'on a vécu et de la période un peu particulière de 2020 qui vous a peut-être un peu fait réfléchir autrement. On y reviendra. Avec le sous-titre « Recycler la terre, Fresh Kills », on pourrait imaginer que c'est un essai pur écologique. Il y est question d'environnement et de consommation, mais c'est finalement presque pas le sujet premier. À travers l'histoire de cette déchetterie, Fresh Kills, dont on va vraiment raconter l'évolution tout à l'heure, vous faites plutôt une tentative de réflexion sur la mémoire, sur l'invisible, sur la disparition peut-être aussi, et plus que tout sur, et là je vous cite, sur l'aveuglement volontaire dans lequel nous vivons. Finalement, ce livre, Fresh Kills, qui raconte cette immense déchetterie à ciel ouvert, parle plus du monde dans lequel on vit, dans lequel vous vivez, et peut-être plus de notre rapport au lieu, et peut-être à la vie et à nos ancêtres. On reviendra sur tout ça, sur c'est aussi le livre qui peut-être remet un peu les corps, parce qu'il est question beaucoup de corps dans ce livre, que ce soit nos corps vivants que les corps morts, peut-être remettre du corps et de la vie dans ce monde dans lequel on est aujourd'hui, que vous tentez de faire. Peut-être nous raconter le début, puisque l'histoire de ce livre démarre à partir d'un autre livre et d'une lecture, Outre-Monde, de Don DeLillo, et là vous découvrez l'existence de cette incroyable déchetterie. Oui, c'est vrai que c'est un livre qui commence dans un livre. Et donc, et par une lecture précisément, qui est la lecture de Outre-Monde de Don DeLillo. Et la description qui est faite de la décharge de Fresh Kills dans Outre-Monde, dont l'un des personnages est gestionnaire dans une entreprise donc qui s'occupe de déchets, de management de déchets, c'est vraiment une description fascinante et qui aussi donne déjà la décharge, enfin présente déjà la décharge comme un lieu à penser, comme un lieu de contraste et de contradiction. DeLillo dit c'était à la fois de la préhistoire et de la science-fiction. On voit que c'est un lieu où les choses retournent à une forme de corruption naturelle, mais qu'en même temps il y a toute une ingénierie extrêmement sophistiquée qui est en place pour pouvoir gérer les tonnes, en fait, la masse de déchets, donc faire ces terrassements. Et chez Don DeLillo, qui est quand même un écrivain un peu paranoïaque, je sais, on peut dire ça comme ça, ou en tout cas, on ne nous dit pas toute la vérité, clairement. La décharge apparaît comme le lieu qui est à la fois monstrueux, immense et invisible, le lieu que personne ne voit. Donc moi, j'ai été très frappée par cette lecture, parce que c'est un imaginaire très puissant, en fait.
Mais j'ai pas compris tout de suite de quoi parler de Lilo quand il parle de jardin suspendu. Et il en parle dans sa description. Et c'est après, comme vraiment, je m'intéressais au lieu et je me dis, mais en fait, ça ressemble à quoi cette décharge ? Et en cherchant à quoi ça ressemble, au lieu de tomber sur des images de déchets, je tombe sur un documentaire qui parle de la réhabilitation de Freshkills et qui me montre des images de parcs. Donc, d'une rivière à l'eau purifiée. Et voilà. Oui, parce que Freshkills, donc pour resituer, oui. Une décharge créée en 1948. Mm-hmm. Au départ, ça ne devait pas durer longtemps, mais ça a duré plus de 50 ans. Ouais. La décharge a fermé en 2001. Elle a fermé deux fois. On reviendra sur ça. Elle déversait, en tout cas, ont déversé 29 000 tonnes de déchets par jour. Et à sa fermeture, on a décidé de la réhabiliter. C'est ça qui vous intéresse finalement, c'est qu'on a décidé d'en faire un parc et de balayer quelque part, avec la nature au-dessus, tout ce passé-là. Et de balayer aussi son passé. Ce que vous avez lu comme extrait montre aussi qu'on a installé une décharge à un endroit où des gens vivaient, où il y avait déjà une vie installée. On a décidé de mettre les déchets que personne ne veut en centre-ville à cet endroit-là. Et un jour, on décide finalement de réhabiliter, de redonner de la nature aux gens et d'oublier tout, et d'enfuir, c'est vraiment le mot aussi, tout ce passé. C'est à ce niveau-là et c'est cet endroit-là qui vous intéresse. Oui, précisément. Et même avant même que ça m'intéresse, ça coince à cet endroit-là. Je me dis, mais c'est quand même pas possible, tout simplement. C'est trop gros. Déjà, j'arrivais pas à imaginer ce que ça pouvait être, une décharge transformée en parc naturel, même si je voyais des images. Et puis je me disais, mais enfin, c'était ma première lecture, une lecture contre laquelle le texte travaille d'une certaine manière. Mais je me disais, mais quelle insulte en fait. On détruit cet endroit, on déplace les gens, on entasse des déchets, parce qu'il y a aussi un certain mépris vis-à-vis des habitants de Staten Island. C'est un beau rose où il y a une forte immigration, un fort taux de chômage, voilà. Et puis ensuite, quand on se... que faire maintenant ? Allez, on efface, effectivement. Et je me dis, mais ça ne va pas marcher, ça ne va pas prendre. Alors peut-être dire pourquoi aussi ça vous touche particulièrement, puisque... Et vous parlez d'ailleurs de sentiments, presque de sentiments d'amour que vous ressentez en lisant ce livre Outre-Monde, hein, de Don DeLillo. Il y a quelque chose qui vous accroche comme ça et qui vous obsède. Ça vous obsède aussi parce que vous travaillez depuis très longtemps sur la mémoire et que ce livre-là ne s'ouvre pas sur la décharge, mais s'ouvre sur Berlin, où vous racontez comment vous avez découvert à Berlin un mémorial en quasiment cœur de Berlin qui est un mémorial aux Juifs assassinés pendant la guerre et qui vous a aussi obsédé à l'époque. Vous faites un lien entre les deux, cette question finalement d'invisible ou d'effacement de la mémoire ou comment faire mémoire de quelque chose, c'est finalement ça qui vous questionne. Quel est le lien entre les deux ? Pourquoi ouvrir le livre sur Berlin pour parler de la décharge ? Alors je dois dire que c'est un lien dont d'abord je n'osais pas parler. Parce qu'évidemment, mais je pense qu'il faut toujours le répéter, en fait, tellement c'est délicat. Il ne s'agit absolument pas d'une comparaison. Voilà, on est... Les deux situations ont une très grande spécificité. Moi, où je fais un rapprochement, c'est dans notre rapport. Alors, peut-être le dire de manière très générale ou très vague, mais dans un rapport à l'altérité, ou dans un rapport à des mémoires qui peuvent nous déranger, à aussi à une manière d'être dans la ville
où certains lieux existent, d'autres n'existent pas. En fait, ce qui m'intéresse, pour le dire peut-être plus clairement, c'est la question de l'occultation. Quand j'ai travaillé, donc j'ai travaillé dans une thèse qui était une thèse de littérature sur la question de la mémoire de la Shoah, de la mémoire de la dictature argentine et des choses qui revenaient dans les paroles des témoins de l'époque. Et j'ai pas travaillé sur les témoignages de gens qui ont subi, donc de gens qui étaient dans des camps, mais plutôt sur des paroles de personnes qui étaient proches de personnes qui ont été dans les camps, mais qui n'ont pas eux-mêmes subi ça. Et ce qui revient dans les témoignages de l'époque, c'est y avait des gens qui habitaient à côté d'Auschwitz, qui pouvaient ne pas voir, qui ne pouvaient pas ne pas voir, et pourtant qui disent qu'ils n'ont pas vu. Il y avait des gens à côté de ce centre de rétention à Buenos Aires, et c'est la même chose. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé à chaque fois. Et je le crois, d'une certaine manière. C'est cette espèce d'aveuglement volontaire qui est obligatoire pour continuer à vivre, simplement. Que vous souteniez ou pas ce qui se passe, que vous souteniez ou que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec ce qui se passe, il faut... Il y a une espèce d'aveuglement comme ça. Pour parvenir à fonctionner dans notre monde, écrivez-vous, il reste nécessaire de fermer les yeux, d'alléger notre conscience, de l'ancrer dans un présent inoffensif et lisse. C'est ça. Alors, dans l'histoire de la décharge, il y a, écrivez-vous aussi, la construction d'un récit de rédemption d'une certaine manière. Et ce ne pouvait être, dites-vous, autre chose qu'un récit creux, une opération de publicité à long terme. Est-ce que vous, dans votre récit, vous vous emparez de cette histoire pour essayer effectivement de ne pas en faire quelque chose de creux et non pas justement quelque chose de publicitaire, même si ce n'est pas notre pays, même si ce n'est pas proprement notre histoire, cette décharge-là. Mais quelque part, c'est l'histoire de tous, les décharges et les déchets. Parce que finalement, très très vite, moi je détourne mes yeux de la décharge. Parce que ce que vous regardez, au final, c'est pas la décharge, c'est de l'autre côté. C'est ceux qui vivent en face, à Manhattan, oui, dans l'autre ville. D'ailleurs, ce récit démarre aussi, enfin le vôtre, par des recherches. Vous lisez beaucoup, vous vous renseignez, l'histoire des déchets, etc., etc., que vous nous relatez aussi. Et puis, il y a la phase où il faut y aller. C'est aller dans le réel. Donc, vous allez sur place avec comme objectif d'aller voir ce qu'il en est de cette décharge qui n'est déjà plus une décharge. Mais ce que vous faites au départ, ce n'est pas aller sur place. Vous passez une journée à marcher dans Manhattan, à photographier, à observer, à regarder la ville avant de prendre ce bateau qui vous mènera à cette décharge. Est-ce que le fait de regarder Manhattan et de vous rendre compte que vous voyez un peu plus loin ces fameuses collines et qu'on les voit bien finalement, qu'elles ne sont pas si invisibles que ça, même si elles sont loin. Déjà, première question, le fait de marcher dans la ville contribue aussi au récit et contribue aussi à la façon aussi de vous réfléchir à votre propre rapport au lieu. Oui, et c'est presque une méthode d'approche ou presque une méthode d'écriture. En fait, donc j'avais cette journée à passer à Manhattan et que j'ai parcouru de manière même un peu déraisonnable en choisissant mon itinéraire sur un plan, mais sans me rendre compte exactement des distances que ça impliquait. Mais c'est une manière d'éprouver le lieu, d'essayer de m'inscrire dans cette géographie qui est pour moi, malgré tout, même si Manhattan peut nous sembler familier par toutes les représentations qu'on en a, mais voilà, c'est à la fois un lieu qui est lointain et puis qui est tellement riche d'imaginaire et de fantasmes qu'à un moment donné, il fallait bien que je m'ancre dans ce lieu. Et vous avez parfaitement, précisément raison quand vous dites que c'est finalement Manhattan qui m'intéresse plus que Staten Island, parce que
Il y a cette, la décharge, c'est vraiment un lieu qui, à un moment donné, peut être fascinant, qu'on peut même décrire comme un lieu mythique ou comme une espèce de mythologie. Ça rappelle les enfers, même dans des photographies prises par des géographes vraiment sur leur terrain, qu'ils le veuillent ou non, leur photographie, c'est un lieu tellement inimaginable qu'elle prenne une espèce de dimension qui excède en fait le lieu lui-même. Donc on a presque affaire à un fantasme. Mais à un moment donné, dans mes recherches, je me suis dit, mais en fait, ce qui m'intéresse vraiment, c'est pas tant ce lieu-là que la propreté qui est de l'autre côté et qui n'existe qu'au prix de tel lieu. La propreté dont il est question vraiment dans ce livre, vous vous rendez compte d'ailleurs, et puis les mots et le champ lexical est important, on va y revenir, peut-être même déjà maintenant, juste pour rester sur la notion de marché, c'est Martin de la Soudière qui, dans Arpenter le paysage, explique que la première expérience du paysage ne se réduit pas avec la seule vue, mais elle se passe aussi avec le corps, et le corps est présent. Le vôtre aussi dans ce livre, parce que il est ponctué. Alors, il y a le travail de recherche, de un peu d'histoire hein, des déchets. Il y a ce moment où vous allez sur place pour voir la décharge. Vous nous racontez ça aussi. Et puis, c'est ponctué d'expériences personnelles, intimes, parce que c'est aussi un récit intime. C'est un récit politique et intime. Où vous racontez comment votre corps est éprouvé. Vous parlez de nausées, vous parlez de grosses fatigues quand vous êtes là-bas. Il y a tout le champ lexical aussi, et vous utilisez beaucoup de mots liés à la maladie, anesthésie, saignée, etc., tout le long du livre aussi. Est-ce que le fait de passer par ce corps intime qui a peut-être la nausée, alors j'ai pensé à Sartre aussi, parce que finalement, dans ce livre, La nausée, c'est un homme qui se rend compte à un moment donné que le monde n'est fait que d'illusions et qu'il se rend compte que c'est un monde que l'homme a construit pour peut-être se sentir mieux. Et c'est de ça dont vous nous parlez, c'est que vous aussi, et c'est là où s'en fait un texte extrêmement particulier, parce que ce n'est pas qu'un récit, c'est aussi quelque chose de très poétique, et vous êtes aussi poétesse, et très intime, et ça passe par ce corps, vous montrez à un moment donné qu'à travers cette expérience, cette découverte de la décharge, vous vous posez vous-même votre propre rapport à ce monde dans lequel vous vivez, ça passe par des nausées et des fatigues. Oui. J'extrapole peut-être non, non, un non, peu. Non, non, c'est intéressant parce que c'est disons que le sujet qui s'exprime dans ce récit est aussi un sujet construit littérairement. Et qu'une partie des expériences intimes qui sont relatées sont plus de l'ordre de la fiction ou de la construction que du témoignage personnel. Et même si ça l'était, je vous dirais quand même ça. Donc voilà, mais je vous dirais ça, et c'est pas une question de... L'idée, c'est qu'il n'est pas question de moi... dans ma subjectivité ou dans mon histoire personnelle, qui évidemment joue dans tout ce que j'écris de toute façon, mais que j'aime bien, et ça m'excite même dans mon écriture, de ce type de texte, en tout cas, me considérer comme une sorte de cobaye. Et que pour être un cobaye valable, il faut qu'il n'y ait pas trop de moi, il faut qu'il n'y ait pas trop de personnel, pour que justement mon corps puisse être ce corps lambda, d'une personne ayant grandi dans des capitales et avec assez de confort pour pouvoir ignorer ou pas envisager un certain nombre de choses et sans que ces questions même puissent être inconfortables. Et c'est cette espèce de sujet social là qui m'intéresse. Et de prendre ce sujet social et de lui faire vivre, expérimenter des choses dont on parle généralement pas, la nausée,
la grosse fatigue, des espèces d'hallucinations ou de visions. C'est faire trembler aussi un récit un peu lisse ou un peu trop maîtrisé avec, avec la fiction. Et essayer d'atteindre d'autres choses, en fait, mais qui sont peut-être de l'ordre d'expériences partageables ou collectives. Faire parler le corps, et puis les corps, ce sont aussi ceux des cadavres. Vous écrivez « Nous avons plus d'un cadavre dans nos placards bien rangés qui menace de ressurgir au moment le plus important. Nos villes lisses et propres, encore une fois, nos maisons impeccables, notre hygiène de vie scrupuleuse et suspecte nous nuisent, elles nous mutilent, elles nous coupent de nos désirs. » Oui, je pense avec ce cadavre au film d'Alfred Hitchcock, c'est à propos d'Harry, je crois, d'un cadavre qui est caché dans un placard et qui est un film comique aussi un peu macabre, mais voilà, où il y a toujours une jambe qui risque de dépasser. En fait, il y a une réflexion sur la mort dans ce livre, pour le dire nettement, hein, qui est nourrie aussi de lectures que j'ai pu faire sur la place des morts et des corps morts en Occident, et qui est donc là pas ma réflexion à moi, mais celle d'Ariès. Qui réfléchit sur le moment où on a séparé les corps mourants et les corps vieillissants du centre des villes, et aussi où les cimetières étaient avant, au centre de la ville, et donc on croisait la mort dans sa matérialité, pas loin d'ici, aux Halles. Et puis, à un moment donné, ces corps-là ont été évacués. Et mon idée est d'ailleurs même pas très, très originale, mais c'est simplement l'idée qu'avec ce type d'occultation aussi, on est dans un rapport à la vie, à la fragilité, à la finitude, qui est un rapport un peu faussé, donc dans une espèce d'illusion de pouvoir être intact. Mais je pense que ça nous nuit, ça, effectivement. Voilà, c'est cette idée-là qu'on éprouverait peut-être le danger qu'il y a à vivre que de le considérer ou de le penser peut nous enrichir peut-être. Et puis il y a les corps des attentats aussi, parce que ça, c'est une dimension qu'on n'a pas encore abordée, mais dans cette déchetterie qui a fermé en 2001, mars 2001, elle a été rouverte en urgence quelques mois plus tard, en septembre 2001, après les attentats, pour accueillir les gravats, justement, des tours. Et parmi les gravats, il y a aussi des corps de ceux qui ont été victimes des attentats. Et là, ça donne une autre dimension à la déchetterie. Et ça donne une autre dimension à ce recouvrement et à cet enfouissement, et à la mémoire aussi. Et puis ça donne une autre dimension à votre texte, parce que je crois que vous aviez été déjà, pour votre précédent livre, très touché par les attentats en France aussi. Donc il y a aussi cette dimension qui nourrit aussi la plume, votre plume, et qui est certainement aussi extrêmement présente et qui nourrit peut-être certaines de vos obsessions. Oui, alors pour mon roman donc Les Échappées, effectivement, que j'ai commencé à écrire en 2015, il y avait cette présence très très proche des attentats, et ce climat de menaces et cette atmosphère très oppressante que j'ai essayé de penser dans le roman. Avec l'idée qu'il peut y avoir une menace. La menace peut être effective. Il n'empêche pas que la menace puisse être instrumentalisée politiquement pour en faire un instrument de soumission et d'assujettissement par la peur que cette menace elle-même dégage. Pour ce qui est des corps de 2001, je le mentionne. Je suis très prudente sur cette question dans mon livre, parce que ce n'était pas exactement mon sujet. Aussi parce que j'avais
là peut-être une sorte de pas de recul ou de peut-être de délicatesse, parce que je sais qu'il y a des, voilà, il y a eu des procès en cours, il y a des familles de victimes qui étaient absolument scandalisées et qui n'acceptaient pas cette idée, en fait, que qu'il soit possible que des restes de leurs proches se retrouvent dans une décharge, ce qui, même, vous voyez, à le dire, c'est quand même quelque chose d'assez monstrueux comme idée. Donc je l'évoque, j'évoque les débats houleux qu'il y a pu avoir autour de la question, et puis je passe ensuite, parce que je pense que c'est un sujet en soi, de fait. Mais cela dit, vous posez beaucoup de questions. Ce livre est un livre qui pose énormément de questions. C'est important de le dire. Peut-être que ça révèle vraiment ce qu'on disait au départ, c'est le lieu. Qu'est-ce qu'on fait d'un lieu? Qu'est-ce qu'un lieu, finalement? Parce qu'un lieu est fait des gens qui vivent et de comment on le construit et comment faire pour garder, finalement, toutes ces mémoires. Et notre société, peut-être aujourd'hui, essaye à chaque fois de lisser, d'effacer, et que ce soit une décharge ou que ce soit dans une ville en détruisant et reconstruire plutôt que... C'est la question principale, c'est que fait-on des lieux? Et vous dites aussi, si un lieu, une terre, sait être résiliente, les gens, eux, gardent toujours une trace et gardent toujours la mémoire. Et sur la question de la décharge, est-ce que quand on détruit une décharge, est-ce que ça change ou ça reste une décharge? Pour les gens qui habitent là-bas, ça reste une décharge, même si ça devient un parc. Alors oui, pour en fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette question-là, la question du lieu, et qu'est-ce qu'un lieu, et comment s'organise l'espace, et surtout les strates temporelles, ça, je pense que c'est la question qui m'habite, peut-être. Et par rapport aux mémoires, ce qui est très intéressant à Fresh Kills, c'est que il y a eu quand même un souci et un soin des mémoires plurielles de ce lieu. C'est-à-dire que moi, tous les témoignages auxquels j'ai accès, ils ont été enregistrés à l'initiative d'une anthropologue qui travaille vraiment main dans la main avec l'association chargée de promouvoir Fresh Kills. Et il y a eu une grande intelligence ici dans la promotion de ce lieu, qui était l'idée de ne pas essayer d'effacer les différentes mémoires. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est cette espèce de polyphonie, c'est-à-dire c'est toutes ces voix et toutes ces mémoires, parfois divergentes, parfois dissonantes, parfois contradictoires, et c'est l'idée qu'elles puissent, à un moment donné, cohabiter, habiter ensemble, et qu'il n'y ait pas un discours dominant qui s'imposerait pour effacer ou balayer les autres. Ceci dit, enfin, une fois que j'ai dit ça, l'effacement, qu'on le veuille ou non, enfin, fait partie de la progression du temps. L'oubli est un processus naturel, et je pense aussi que ce serait peut-être presque maladif, ce que je décris, la perception exhaustive d'un lieu où on entendrait toutes les voix, où on imaginerait toutes les strates, où on verrait, en fait, ce serait une perception folle. L'oubli est nécessaire, mais on peut dire d'une part que l'oubli est nécessaire et en même temps se poser la question de savoir ce que c'est qu'une mémoire dominante et que des mémoires plurielles. Et puis il y a l'enfance. Alors ça, vous questionnez l'enfance et vous dites finalement pour l'enfant, rien n'est sale. Et rien n'est vraiment propre non plus. Pour vous citer encore une fois, un âge, vous dites que l'enfance, voilà un âge sans loi, où n'existe entre les objets, les matières, les choses, aucune hiérarchie. Rien n'est encore sale, rien n'est propre non plus. Est-ce que c'est finalement une observation, une critique? J'aime pas trop ce mot-là, parce qu'encore une fois, vous posez beaucoup de questions et c'est un récit qui reste très objectif aussi. Mais de se dire, finalement, on oublie peut-être quand on grandit, on devient des adultes qui rentrons dans des normes, on nous dit ce qui est sale et pas,
pas sale, et finalement l'exemple de la déchetterie, hein, et le curseur est placé par la société finalement, et qu'on y entre très vite, on oublie qu'enfant on mettait les cailloux dans la bouche et sans se dire et d'ailleurs la question de la propreté chez l'enfance à observer est passionnante aussi, et quand vous écrivez ça, on se pose effectivement la question de notre rapport à ce qui est propre et sale. Oui, alors l'enfance, c'est plutôt une tentation en fait. Hein. C'est l'enfance, c'est une tentation, tout comme l'idée d'une grève illimitée des éboueurs qui ferait advenir une révolution par l'ordure et une perspective réjouissante aussi. Il y a une charge, peut-être tout simplement. Une attirance pour l'anarchie dans ce livre qui dirait pas exactement son nom parce que c'est pas formulé de manière radicale, mais en tout cas l'enfance, c'est aussi Walter Benjamin qui le remarque, hein, c'est que c'est aussi un moment où on approche les objets dans leur matérialité sans se poser la question de leur valeur, sans se poser la question de leur usure. L'objet cassé reste un jouet. On peut toujours l'investir affectivement par l'imaginaire. Donc c'est cette espèce de temps, alors qui est assez bref finalement, parce qu'effectivement il faut domestiquer les enfants et c'est pas mal à un moment donné de savoir qu'on va devoir mettre quelque chose à la poubelle. Je pense que ça peut être assez utile, tout comme l'oubli l'est. Voilà, il y a un certain nombre de règles sociales qui peuvent être utiles, mais en même temps, voilà, il y a l'idée d'un temps dont que l'on pourrait se rappeler, en tout cas, de se dire on pourrait aussi approcher le monde comme ça. Et regarder l'objet, pas par rapport à sa valeur, son prix, son statut symbolique, mais simplement, tiens, comment est-ce que je pourrais faire rouler cette table ? Voilà, ce genre de déplacement. Et quant à ce qui est propre et sale, là, je ne peux que renvoyer à cet ouvrage de Marie Douglas, qui est anthropologue, que je cite, et qui est de la souillure. Et qui, alors qu'il ne s'intéresse pas exactement aux déchets, mais justement à cette question de la saleté, de la souillure et à la fonction, à son ambivalence. C'est-à-dire qu'à la fois, on essaie de reléguer et d'éloigner la souillure aux marges de la société, et en même temps, parfois, elle se retrouve douée de vertus presque magiques. Et donc, elle essaie de comprendre, elle, comment ça marche. Et ce qu'elle définit comme sale, c'est ce qui n'a pas de place dans un ordre et dans des catégories. Donc, le souillé, c'est ce qui n'est pas catégorisable. Et elle explique ou quelque chose qui n'est pas à sa place. La chaussure n'est pas sale si elle est posée par terre. Si elle est sur mon oreiller, là, ça devient sale. Voilà, c'est... La question, c'est finalement, dès le départ, on parlait de l'invisibilité. Ce livre questionne ça, finalement. C'est peut-être essayer de rendre visibles les choses qu'on ne veut pas voir. Les marges, vous venez de dire les marges, les périphéries. C'est pas pour rien qu'on met ce qui est sale en périphérie et on détourne un peu le regard. Cette période, je disais que ce livre est réédité. Cette période de confinement, vous en parlez en fin de livre, en post-face, en disant que peut-être que pendant le confinement, on s'est rendu compte de la présence des éboueurs, on les a applaudis presque aussi, ça les a rendus un peu plus visibles, finalement. C'est ça, si ce livre pouvait avoir une vraie réflexion, c'est celle-ci, c'est apprendre à détourner ou regarder bien en face où vont nos déchets et ce qu'on en fait et rendre visible l'invisible. C'est pas non plus facile. Non. Je sais pas exactement vous répondre ici. J'essaie de poser des questions et je me dis que quelqu'un qui pose des questions sans donner de réponse peut-être transmet ses questions, tout simplement. Mais... Est-ce que
opérer un changement du regard est possible. J'en sais rien, à vrai dire. Ce que j'ai constaté pendant le confinement, c'est cette attention portée soudain à ce qui était dehors. Mais cette attention aussi, elle me semblait ambivalente. Parce qu'à la fois, c'est vrai, on pensait à tous ceux qui travaillaient dehors, bon, les soignants en première ligne, au contact de la maladie, les éboueurs aussi, parce qu'eux aussi étaient potentiellement en contact d'une contamination. Mais il y avait quelque chose aussi d'ambigu dans ce geste de rester à sa fenêtre, de rester dans sa maison, c'est-à-dire de savoir que soi-même, on n'avait pas à se confronter à ce dehors perçu comme qui pouvait être perçu comme tellement menaçant. Mmh. Et que dire merci à quelqu'un, c'est aussi le remercier de faire quelque chose qu'on ne pourrait pas faire soi-même. Il me semble que... Peut-être le lien que je n'ai pas pensé jusqu'au bout, mais entre ce livre-là et ce qu'on vit maintenant, la pandémie ou la crise sanitaire, quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est vraiment le rapport à la mort finalement et à la peur de la mort. Mmh. Et j'en viens vous échapper, oui. À nouveau. J'ignore ce qu'il en est dans les autres langues que la mienne, mais le dictionnaire étymologique m'apprend qu'en latin, la langue mère, mundus, monde, et mundus propre sont un seul et même mot. Seul ce qui est propre et ordonné fait monde, c'est implacable, et la seule issue, écrivez-vous, échapper au langage ou parler autrement. Il est encore question de s'échapper du monde. Échapper au langage. Oui, mais alors échapper au langage et échapper au monde S'échapper du monde. Alors, ce que je peux dire, je crois très clairement, c'est que, et là, surtout aujourd'hui, que ce soit dans Les Échappées, donc ce roman, ou dans ce livre aussi, ce que je crois que je peux faire en tant qu'écrivaine, c'est réfléchir sur le langage et mettre en œuvre un langage qui me semble honnête ou juste aussi. Et il me semble que... j'analyse parce que ça m'intéresse, et de fait parce que c'est mon domaine. Toute la communication mise en œuvre par le parc de Freshkills pour justement ne jamais parler de Freshkills, c'est Freshkills Park, et on ne doit pas dire autrement. D'ailleurs, ça démarre même par le changement de nom. Hein. Freshkills, on laisse un espace ou on enlève l'espace ? Alors, il y avait un espace, ouais, et c'est la source fraîche, mais Freshkills, où on va accentuer ce kills, et puis en enlevant l'espace, l'accent tonique se trouve porté sur le fresh. C'est beaucoup mieux tout de suite. Donc, évidemment, je m'intéresse à cette espèce de cosmétique, de maquillage. Et parler autrement, ça veut dire peut-être déjà, ça commence peut-être au moment où on entend la manière dont on nous parle. Et le langage, et pardonnez-moi, mais l'immense fratras de n'importe quoi qu'on entend quotidiennement, et même de la part de dirigeants qui sont pourtant censés s'adresser à un peuple doué de raison. Parler autrement, ça veut dire déjà avoir cette espèce de sensibilité de l'oreille et essayer, moi, quand j'écris, de parler correctement. Enfin, voilà. C'est là, finalement, où vous placez votre stylo, votre plume. C'est à cet endroit-là, finalement. C'est dans ce parler autrement, dans ce langage, réfléchir sur le langage. Dans tous les cas, il y a à tout moment, que ce soit d'ailleurs en poésie, en roman, ou dans ce qui, je dis récit, mais entre essai, récit philosophique, je ne sais pas trop, Freshkills, mais roman aussi, d'ailleurs. C'est à cet endroit-là que vous placez votre travail d'écrivain. Oui, précisément. Enfin, disons que le stylo, c'est le bout du travail. Le travail commence dans les livres que je lis, qui peuvent être des romans, qui peuvent être des livres de plein de matières. Il passe ensuite par cette traversée du corps et une espèce de
Essayer d'avoir une perception sensible des choses, pas seulement de les appréhender par l'intellect, mais aussi par le corps, par les sens, la sensibilité, par l'imaginaire, parce que ça fait partie de nos mondes. Je ne pense pas que l'imaginaire soit séparé du monde, en fait, mais il le peuple, il l'innerve. Et ensuite, quand j'écris, essayer d'être dans une justesse d'expression et de pas me payer de mots. Vous parliez finalement de cette communication, hein, de ces mots, ce fratras de mots hein, qu'utilisent nos politiques et toute la publicité autour, etc. Effectivement, et tout ça, alors je vous relis, pardon, encore, hein, mais j'utilise vos mots. Vous parlez de notre société de consommation dès le départ. J'ai dit que ce livre parlait de ça de toute façon, et de ce 20e et 21e siècle. Notre société de consommation, elle est l'enfant monstrueux de notre mode de vie, notre œuvre commune, l'un des nombreux visages de notre allégeance à un ordre qui implique dans son économie intime la destruction. L'ignorer et vivre avec nous garantit un certain confort, mais nous contraint à une conscience divisée. Tout aveuglement volontaire se paie, toute humanité double est tiraillée. Et plus loin, vous citez Ingeborg Bachmann. Et ça, j'ai beaucoup aimé que vous la citiez parce que je trouve que ce que vous lui faites, enfin ce que vous dites à travers elle est important. Vous citez un petit texte que je ne connaissais pas, un bref essai. Les êtres humains peuvent prétendre à la vérité. On l'a pas encore dit ce mot vérité parce que c'est pas censé être la place non plus d'un écrivain. La vérité, c'est pas ce que recherche un écrivain. En tout cas, c'est pas ce que je crois pas. En tout cas, vous allez me le dire. Quand on est là pour poser des questions, finalement, chacun a allé chercher une vérité. Dans l'original, la langue allemande dit bien plus de choses que cette seule petite phrase. Les êtres humains sont de taille à affronter la vérité. On peut attendre des êtres humains qu'ils se confrontent à la vérité. En d'autres termes, cette épreuve, ce défi, ne sont-elles qui nous écraseraient ? Nous avons les ressources pour faire face au réel. C'est ce que vous faites d'ailleurs depuis le début avec ce livre, c'est aller faire face au réel en allant voir la décharge que nous modelons de nos propres mains. Nous pouvons regarder le monde que nous contribuons à faire perdurer, l'ordre qui subsiste avec notre accord. Oui, je crois que... Je ne sais pas en fait exactement si, à quelle question répondre. À ça, à cette place-là, à ce mot vérité, à ce droit à la vérité que nous avons tous dans cette société où finalement on contribue nous aussi à cet aveuglement d'une certaine manière. Alors, c'est très difficile, je trouve, de dire notre part de responsabilité, mais ce que j'aime dans ce texte d'Ingeborg Bachmann, dans son travail en général, ses poèmes, et c'est cette idée-là. C'est cette idée que c'est une épreuve, la vérité, alors quel que soit exactement ce qu'on... le sens qu'on lui donnerait, mais en tout cas, c'est peut-être une épreuve d'affronter le monde en renonçant à ne pas voir, en renonçant à certaines illusions, à certains mensonges, et évidemment... À la parole creuse, au récit creux. Voilà, au récit creux. C'est sans doute une épreuve, mais elle, je pense qu'elle, quand elle dit ça, elle exprime une espèce de confiance aussi dans l'idée qu'un peuple peut affronter cette épreuve. Et comment faire des choix politiquement si on connaît qu'une partie de l'histoire, ou si on vit seulement avec une partie des implications du monde justement dans lequel on vit. C'est là où effectivement vous posez encore plus la question avec ce confinement où on nous a finalement dit être en quarantaine et où vous êtes posé la question finalement de cette frontière, de qu'est-ce qu'on pouvait bien protéger, où se situe la frontière. Il y a celle de notre maison, il y a celle de nos corps, avec aussi la peur de la maladie, etc. Ça va encore plus loin dans la réflexion sur cette injonction à rester chez nous et cette peur et cette frontière. Oui, alors
C'est délicat de parler des mesures concrètes dans le justement dans l'espèce de complexité actuelle à ce sujet. Mais ce qui est certain, c'est que, en tout cas, moi, pour vivre cette période-là, essayer de réfléchir sur les mots m'a aidé. Donc, qu'on parle de quarantaine, quand c'est les malades, normalement, qu'on met en quarantaine, qu'on parle de résilience avant même que l'épreuve soit finie. qu'on parle de vulnérabilité sans définir ce que c'est que la vulnérabilité, c'est-à-dire avec une espèce de primat d'idée que les plus vulnérables sont forcément ceux qui sont les plus vulnérables au virus, mais comme si la vulnérabilité sociale, la vulnérabilité psychologique n'étaient pas des questions. Toutes ces questions qui n'ont pas été posées, pour moi, elles surgissaient simplement quand on s'approche des mots et puis qu'on vient creuser un petit peu et en se demandant, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots ? Vous citez beaucoup de monde et merci d'ailleurs de citer d'autres écrivains, d'autres chercheurs. Et vous finissez avec Pascal Quignard aussi, un texte là aussi que je n'avais pas, dont je n'avais pas connaissance, qui est un texte qui dit, rappelle le lien profond qui unit les restes du repas aux morts. On a commencé avec les morts, on finit avec ça aussi. C'est effectivement quelque chose qui hante tout ce livre-là. Deux mots sur ce texte de Quignard. C'est un très beau texte que j'ai découvert, enfin que j'ai trouvé. Parce que je cherchais des textes sur donc cette mosaïque. En fait, c'est Lazarotos Oikos. Oikos, alors on entend écologie, environnement, mais Oikos, c'est la pièce où l'on vit et c'est la pièce non balayée. Et c'est un motif de mosaïque de la Rome antique où, sur le sol même de l'endroit où avaient lieu les festins, étaient figurés des petits restes de repas et de dîner. Des petites arêtes, voilà, où il y avait même une petite souris qui grignotait un bout de pain. Donc c'est à la fois très amusant et très intriguant. Et puis ça vient un peu contredire l'idée qu'on a toujours voulu vivre séparés de nos restes, puisque là, on les laisse, on les figure et ils sont là tout le temps. Et ce que dit Quignard, ce que rappelle Quignard, c'est que les restes du dîner... Enfin, en fait, et puis j'ai lu après sur cette question, les morts étaient censés être là, dans la pièce même où on dînait, dans le sous-sol, dans le lieu invisible du souterrain, l'outre-monde, mais le voilà, underworld de l'îlot, mais donc sous notre monde, mais juste là, les morts étaient là et les restes du dîner étaient pour eux, en fait, c'était une offrande. Et donc il fallait pas les faire disparaître trop rapidement. Et c'est une cohabitation, parce que quand on parle de la mort, c'est pas tragique, non, c'est simplement une cohabitation, une présence. Accepter la perte et assumer le risque de la disparition. C'est ça que vous écrivez à la fin de ce livre-là. C'est ça, regarder en face finalement, parce que vous dites, les déchetteries, c'est comme les cimetières, on les met à côté. Alors, ce n'est pas forcément toujours le cas pour les cimetières. Certains sont en cœur de ville, mais effectivement, c'est la mort qui nous fait peur et c'est notre propre disparition, finalement, notre propre perte qui est en question dans ce livre. Oui, parce que comme la veste usée qu'on ne va plus pouvoir mettre dit tout le temps qu'on a passé avec et tout le temps qu'on a passé à vieillir avec cette veste, les déchets, c'est aussi les signes ou les messagers de notre propre finitude, de notre corruption, du fait qu'on s'abîme et que ça non plus, ce n'est pas quelque chose de tragique. Donc je pense que c'est une espèce de travail vers l'acceptation, pas forcément joyeuse, mais en tout cas vers l'acceptation sans tragique ou amélancolique de sa propre finitude, de sa propre mort, de la disparition. Mais c'est ce fil-là que vous tirez, vous, en tant qu'écrivain. Oui, exactement.
ça n'est pas fini avec les déchetteries a priori, parce que vous vous êtes renseigné un peu en France, vous êtes intéressé par une déchetterie mais où les déchets partent en fumée, c'est ça? Oui. Alors non, mais j'aime pas l'idée de me spécialiser. Je vais quand même pas me spécialiser sur la question des déchets, même si c'est tout à fait passionnant. Mais ce lieu m'intéresse. Alors c'est pas du tout un incinérateur, c'est une usine de revalorisation énergétique. Ah ben voilà, bah, quand même. Les bons mots pour la communication. Voilà. Mais oui, c'est un lieu qui m'intéresse. Oui. Et Berlin dans tout ça aussi, parce que ça ouvre avec Berlin, ça parle des morts, ça parle du mémorial de la Shoah, ça prend pas beaucoup de place, c'est le départ. Ouais. Mais il y avait Stern dans l'ancien, oui. Dans le livre précédent, ça aussi c'est quelque chose qui vous hante, la question là. Alors je dirais qu'elle est là, mais pas sous la forme d'une hantise. Mmh. Mais en tout cas, je pense que on n'en a pas exactement fini avec ces questions de mémoire et avec ce traumatisme collectif que représente la Seconde Guerre mondiale. Et je dis volontairement la Seconde Guerre mondiale, et je ne parle pas seulement du génocide, mais voilà, je pense que... Les guerres du XXe siècle, donc la première, la seconde, la guerre d'Algérie en France, continuent de nous travailler, d'informer notre perception du présent. Et aussi fascinant et troublant et passionnant que soit ce XXIe siècle auquel moi j'ai l'impression de pas comprendre grand chose vraiment. Je crois que il y a encore cette présence du XXe, et quand j'appelle Stern un de mes personnages, c'est oui aussi une manière d'inscrire cette présence dans le roman, donc dans Les Échappées. Ouais. Merci beaucoup. Merci Lucie à vous. Taïeb. Fresh Kills, Recycler la Terre aux éditions La Contralée. Merci infiniment. Merci. Merci au festival.